Bonjour à tous, bienvenue sur palom.org. Alors après la petite mésaventure qui nous est arrivée ce week-end, puisque nous avons eu un trou comme ça dans le grillage, dans le fond du grillage, et je pense qu'une martre ou une fouine est venue rentrer, et malheureusement il y a 25 pigeons qui sont décédés, puisqu'ils ont tous été bouffés. Alors il a fallu revoir la volière, la resécuriser, donc on en a commencé par la nettoyer intégralement. On a refait le blindage, de rajouter un grillage supplémentaire sur le fond, mettre en place une zone où une mangeoire peut être mise en place. On a refait l'intégralité des nids qu'il y avait, on a enlevé les vieux nids et on a refait les nouveaux nids. Alors pour faire les nids, pas très compliqué, on a simplement utilisé des bidons de 5 litres et qu'on a coupé aux 3 quarts. Et qu'on a vissé sur une planche qui est amovible là-bas pour pouvoir les nettoyer. Et on en a profité aussi pour mettre du désinfectant, du sanitaire-pan et ensuite de l'huile de vidange sur intérieur, extérieur sur de la volière. Bon, il reste encore un peu de grillage à mettre sur le fond, mais techniquement on devrait être bon pour pouvoir mettre les pigeons dès la semaine prochaine. Bon. Alors malheureusement c'est des choses qui arrivent, il y a 3 ans c'était déjà arrivé, là c'est arrivé à nouveau. Bon, les autres volières qui sont ici présentes, les deux autres sont blindées avec du gros grillage sur le dessous. Celle-là ne l'était pas, pourtant le grillage était petit, hein, mais ça n'a pas suffi. Voilà, bon, il y a 25 pigeons qui sont partis, c'est dommage parce que c'était 25 pigeons qui étaient formés depuis déjà 2 ans. Et c'est un petit peu dommage, il va falloir refaire l'élevage. Au fur et à mesure. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver les pigeons la semaine prochaine pour en remettre à l'intérieur. Voilà. Donc, ça a été un mal pour un bien. Bon, eh ben, on verra la suite des opérations quand on mettra les pigeons dans la volière. À très bientôt. Merci de votre écoute.